Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver pour un cours en ligne. Donc, cette fois-ci, un format un peu différent, mais pas tant que ça. Donc, finalement, on est sur Zoom, comme d'habitude, avec les gens du club et aussi sur Facebook Live. Donc, sur Zoom, vous pouvez nous rejoindre en tapant le numéro de la salle et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou en cliquant sur le lien, tout simplement. Donc comme ça, vous apparaîtrez sur Zoom lorsqu'on affichera les petites vignettes. Vous pourrez vous voir faire le cours d'aujourd'hui. Très bien, ben on va démarrer parce qu'il est l'heure. Et donc on va faire un cours qui va durer 1 heure approximativement. Allez, on fait le salut. Allez, allez, on sautille, c'est parti. Sound, low, lock, fitch, patch, que, duo, fitch, ni, sound, chi, low, lock, fitch, patch, que, duo, les devant, derrière et les bras aussi, sound, chi, low, lock, fitch, patch, que, duo. Ok, ici avec les bras, on va passer devant le visage. Et revenir. Allez, c'est parti. On reste de face, on passe les bras tendus devant le visage. Ok, maintenant, derrière, each. Ni, on relâche bien, sang. Chi, go, lock, sitch, hatch, que, duo. Ok, main sur les hanches, tournez, each. Ni, san, chi, go, lock, changer. Ich, ni, san, chi, go, lock. Allez, les poignets, on tourne. Ich, ni, san, chi, go, inverse. Ich, ni, san, chi, go. Allez, les coudes en haut, en bas. Ni, san, chi, go, lock, changer. Ich, ni, san, chi, go, lock. Ok, on relâche. Alors, on écarte un petit peu. On va pas trop travailler les jambes aujourd'hui, mais on va quand même étirer un petit peu. On descend sans forcer. Ni, san, chi, go, lock. À gauche. Ich, ni, san, chi, go, lock. À droite. Ich, ni, san, chi, go, lock. On revient devant. Ich, ni, san, chi, go, lock. Ok, on remonte doucement. On fait chi, on relâche. Allez, pieds joints, on tourne. Ich, ni, san, chi, go, lock. On change. Ich, ni, san, chi, go, lock. Ok. Allez, sur le côté, la tête douce. H, ni, san, chi, go, lock. Haut en bas. H, ni, san, chi, go, lock. Allez, on tourne. Allez, deux fois dans un sens et deux fois dans l'autre. Ok, allez, on saute encore un petit peu sur place, on relâche bien. Ni, san, chi, go. Maintenant, on tourne la hanche sur le côté. Ok, jambe gauche devant, saute devant, derrière. Ok, on change. Ni, san, chi, go. Ok, Yann. Bien, donc il y a des gens qui nous ont rejoints. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on est sur Zoom, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien et sur Facebook Live également. Donc sur la page du Karaté Club Colombes. Alors, ah oui, on est déjà 30 participants là sur Zoom. Bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, on va travailler. On a fait pas mal d'entraînements récemment autour des pivots. Aujourd'hui, on va continuer un peu là-dessus, mais en travaillant sur différents axes. Donc dans 8 directions. Alors, ça peut être un peu difficile pour ceux qui ne l'ont jamais fait, donc on va y aller progressivement. Et on va mêler ça avec l'utilisation des deux bras pour faire des techniques doubles. Voilà. Et puis, il y aura une partie un peu plus orientée self, on va dire, au combat. Donc avec des positions hautes, et on terminera par des katas. Voilà. Alors. Alors, on va commencer simple, d'accord? Position Ashigidachi, donc Kamaété, donc tape des shuto-uke, par la gauche devant, en fait Suki sur place. Et Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shichi, Hachi, Ke, Juo. Ok, on relâche. Alors, même chose, on se met en Zenkutsu, donc plus ou moins haut, comme vous souhaitez. Pour l'instant, on va donc ouvrir ici les hanches, donc tourner de chômage, on passe en hanmi avec le bras devant, et on fait gyakutsuki. Ichi, ni, san, shi, go, rok, shichi, hachi, kyu, ju. Échanger de jambes. Et ichi, ni, san, Shi, Go, Lok, Shichi, Hachi, Kyu, Ju. Et allez, on relâche. Allez-y progressivement, hein, on a fait un échauffement plutôt rapide. Donc, on y va tranquillement. On se remet jambes gauche devant. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Gyaku Tate Shuto-uke. Donc, on va essayer de tourner les hanches. Un peu plus que deux phases, de bien tourner. Donc, si vous êtes jambe gauche devant, la hanche gauche vers l'arrière. Et ici, et ni, suki, san, shi. Là, on passe deux phases, on ne tourne pas. Go, lok, shich, hach, ku, ju. Ok, changez de jambe. Donc, si vous avez la droite devant, vous mettez la main gauche, donc en opposition. Ichi. Ni, San, Shi. Gardez les hanches de face, donc ne tournez pas ici. À la fin du Tsuki, on ramène les hanches de face. Yo, Go, Lok, Shi, Hachi, Ke, Ju, Ichi. Et on relâche. Alors, on va faire la même chose. Donc, en gyaku à nouveau. Donc, jambe gauche devant, bras droit devant. Et on va faire Rentsuki. Donc, Rentsuki, c'est deux coups de poing à la suite. Enchaînez. Ichi, ni, san, toujours bras opposés. Shi, go, lok, shichi, hachi, ku. Ju. Et yame. On va faire l'autre jambe. Donc on recommence. Donc droite maintenant. Ichi. Ni. San. Tirez bien. Chi. Go. Lok. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Et yame. On relâche. On boit un petit coup. On va y aller par étapes, progressivement. Donc on est déjà 32 sur Zoom, donc c'est super. Allez, donc pour l'instant, on a travaillé une technique simple. Maintenant, on va repartir ici à Shijidachi. On va travailler à partir d'une position ici, alors on l'a fait lors du dernier cours, position intermédiaire ici de frapper Jodan Kizen. Donc à partir d'ici, là. Donc une technique
sans partir du point et quitter. On va partir ici à mi-distance. Alors, d'ailleurs, on va le faire direct, on ne va pas ramener le bras équité, on va juste tourner les hanches et les épaules ici. Donc un peu plus comme si on était en self-défense ici, et on frappe, et on garde une protection au niveau du visage. Allez, on part d'ici. Alors, vous pouvez mettre les mains paumes légèrement vers le haut, ou alors un petit peu plus tourner, c'est pas très grave. Allez, on alterne tranquillement à gauche, à droite. Allez, ich, ni, san, shi, go. Poussez avec les hanches. Lok, sich, hach, ke, jiu. On va le refaire. C'est pas que les bras qui travaillent. L'impulsion, elle vient d'en bas. Elle doit pousser. Ça remonte ici et ça permet de déclencher. C'est pas juste les bras. Là, il n'y a rien. C'est pas rapide et c'est pas efficace. Il faut pousser et pousser sur le pied, même sur le talon, genou, hanche, épaule, bras. Allez, on essaye donc d'essayer de sentir la petite impulsion, la pression au sol. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, ju. Ok, c'est pas mal. Même chose sur, à partir d'ici, ageuke. Donc on va juste ageuke avec un seul bras. Donc l'autre jour, on a fait un grand mouvement, on a tiré le équité. Là, on va juste ageuke, l'autre bras, il va rester ici. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, ju. Ok, on relâche. On va faire plusieurs blocages comme ça. Gedanbarai. Donc, même chose à partir d'ici. Gedanbarai et l'autre bras, on va le laisser ici. On ne va pas le tirer et quitter. Ich, ni, changer de bras à chaque fois. San, shi, go, lok, sich, hach, ke, ju. Ok. Même chose sur shuto. Ok, sur shuto-uke, donc à partir d'ici, on va bloquer et laisser l'autre bras ici. Bloquer et laisser l'autre bras. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, ju. Allez, on relâche. Donc voilà, on a fini la première partie qui était de reprendre un peu des bases sur des blocages, des tsuki. Maintenant, on va commencer donc à travailler donc le thème d'aujourd'hui qui est de travailler sur 8 directions. Alors, ouais, ça va m'embêter ça. Alors, 8 directions, c'est c'est hapo. Apo pour 8 directions. Alors, on va commencer simple, on va faire que 2 directions pour l'instant. On va faire juste Gedanbarai. Donc, on va faire Gedanbarai de face et Gedanbarai vers l'arrière en faisant Mawate. Voilà. Et on revient. Allez, Ich, Ni, et on revient. Ich, Ni, et on revient. Donc je déplace ma jambe arrière. Le premier, je le fais devant. Ich, ni, et on revient. Alors, travaille l'autre jambe. Pour l'instant, c'est facile. Hein. Et ich, ni, et on revient. Ich, ni, et on revient. Ich, ni. Essayez de synchroniser pied-point. Donc, si je le fais ici. Donc le premier c'est bon, le deuxième c'est pas je tourne et puis après je bloque. C'est pas ça. Il faut essayer de tourner et bloquer à la fin en même temps. Ici. Ok ? Donc même principe sur quelques autres blocages et ensuite on fera un enchaînement un petit peu plus long. Si déjà vous avez compris ce demi-tour, après on est pas mal pour la suite. Donc à partir d'ici, on va faire uchi-uke et tourner uchi-uke et on revient et ich
Ni. En haut. Et itch. Ni. En haut. Itch. Ni. En haut. Encore un. Itch. Ni. En haut. On change de jambe. Itch. Ni. En haut. Pivoter sur les talons. Itch. Ni. Ici, je pivote sur mon talon. Je pivote sur mon talon. En haut. Itch. Alors, devant. Ni. Allez, encore un. Itch. Ni. En haut. Yeah. Ok, donc pour l'instant, c'est facile. Hein. On tourne dans deux directions. Enfin, toutes les techniques dans deux directions. Alors. On va reprendre Gedan Barai, parce que c'est le plus simple. Donc on va faire Gedan Barai, puis derrière. Et je vais à nouveau faire Gedan Barai devant, et je vais le faire à 45 degrés. Donc ici, Gedan Barai. Puis derrière, donc je refais mon marouette. Puis je vais me tourner encore à 45 degrés. Puis derrière. Puis je vais encore avancer à 45 degrés. Puis derrière. Et je vais faire un dernier ici 45 degrés et derrière. Et je me retrouve donc sur l'autre jambe. Ok, donc essayez de vous mettre ça dans la tête parce qu'on va beaucoup travailler sur ça. C'est devant derrière et je désaxe de 45 degrés du côté intérieur. Ok. Alors, on va le faire tranquillement sur Gedan Barai pour l'instant, uniquement ça. Allez, Kamaete, jambe gauche devant. Allez, devant, itch. Derrière, ni. J'avance en diagonale ici. Itch. Ni, Mawate. À nouveau, en diagonale. Itch. Ni, Mawate. Encore, itch. Ni. Encore, itch. Ni. Et maintenant, j'ai changé de jambe, donc je vais le faire à partir d'ici. Itch. Marouette. Ni. Là, on tourne dans l'autre sens. Diagonale. Itch. Ni. Marouette. Au lieu d'avancer vers l'avant, je sors un petit peu sur le côté. Itch. Ni. Itch. Ni. Dernier. Itch. Ni. Et y'a plus. Ok, donc c'est 8 directions à peau. Vous pouvez boire un petit coup. 8 directions, mais on le fait 10 fois parce qu'on refait. On le fait 2 fois devant, derrière. Donc je vois que apparemment ça ne saccade plus. Donc c'est très bien. On va pouvoir continuer. Alors, pour se mettre en tête ce schéma, on va le faire sur plusieurs blocages. Ok, donc on a fait Gedan Barai, on va faire Agyuk avec jambe gauche devant. Donc, le premier, c'est toujours devant sur place. Allez, itch. Et on tourne. Ni. Et diagonale. Simple. Et en demi-tour. Chi. On avance diagonale. Go. Lock, demi-tour, mawet. Sitch, diagonal. Hatch. Que. Dieu. Et kamak. Devant, itch. Ni, mawet. Diagonal, sain. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Que. Dieu. Et allez, on relâche. Alors, dites-moi juste, si ça va. Pouce en l'air égale, vous avez réussi à le faire. Ok, gardez vos pouces en l'air, je regarde tout le monde. Ah, Julie est arrivée. Ok. Ok.
Donc, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, bonjour à vous. Donc, visiblement, pour l'instant, ces 8 directions ont l'air de fonctionner. Je n'ai pas perdu beaucoup de monde en route. Ce n'est pas forcément le cas sur des cours précédents où on a déjà travaillé. Donc, tant mieux, parce que tout va être basé là-dessus. Donc, si vous n'avez pas compris la façon de tourner, ça va être compliqué. Donc, encore une fois, on y va par étapes. On va le refaire sur un autre blocage. On va faire sur Shuto-Uke. Donc sur Shuto-Uke, donc on peut changer de position ou rester en Zenkutsu-Dachi, peu importe. Donc je vais faire un Kokutsu-Dachi pour ma part. Donc à partir d'ici, allez, Ichi, Ni, San, Shi derrière, Go 45, Lock. Sitch, Hatch, Que, Jiu, allez devant, Itch, derrière, Ni, 45, San, Shi, Go, Lock, Sitch, Hatch, Que, Jiu, Eya, yes, ok. C'est toujours bon. Alors, dès qu'on change un petit truc, en général, ça peut être dangereux. Donc là, on a fait main ouverte, on a fait position Kokutsu-Dachi. Ok. Alors, on va reprendre ce même schéma. Sauf que, alors, on va le reprendre à nouveau en faisant temps par temps, tranquillement, Gedanbara. Si vous avez remarqué, je faisais toutes mes techniques vers l'avant. Ici, quand je tournais, mon corps allait vers l'avant. Ici, j'ai avancé. Ici, pivot sur mes talons, donc je vais vers l'avant. Là, je vais vers l'avant, etc. Donc, on a fait tout cet enchaînement en avançant, ce qui peut être intéressant. Mais on peut se poser la question de le faire en reculant. Si on fait des blocages, pourquoi on ne pivoterait pas en reculant? Donc, on va faire, je vous montre d'abord une fois, Gedanbarai, donc on va absorber un petit peu. Et le deuxième, on va faire Mawate, mais au lieu de déplacer la jambe arrière, c'est ma jambe avant. Donc je vais le faire en reculant. La diagonale, je vais la faire en reculant. Le demi-tour, je le fais en reculant. La diagonale, 45 en reculant. Demi-tour en reculant. Je recule à nouveau. Ici. Et là. Alors, on va y aller vraiment doucement parce que peut-être pour les plus gradés, ça coûte de source. Donc pour les autres, je ne pense pas. Donc, tranquille, jambe gauche devant. Donc l'idée, c'est de, quand je tourne, j'absorbe une attaque, donc je recule, tout simplement. Allez, Gedanbara, Ichi. Donc on imagine une attaque qui arrive derrière ici. Donc je tourne et je recule. Ni. Ici, pareil, une attaque arrive là, je recule 5. Puis de l'autre côté, chi. Go, ici. Lock. Si, au lieu d'avancer en diagonale, je recule en diagonale. Go. Encore, ich. Et ni. Ok, on fait l'autre côté, donc en partant de la jambe droite. Si vous n'avez pas la place, faites des pas un petit peu plus petits, hein, des positions plus hautes, c'est pas très grave. Allez, itch vers l'arrière, ni, pour absorber un petit peu. Tout à l'heure, on a avancé à 45, maintenant je recule à 45. Go, lock, sitch, hatch, que, dieu, itch, et y aller. Yes. Ok. Alors, dites-moi si ça va trop vite. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que c'est bon? C'est bon. Non, il y en a qui sont pas à moitié, ok. Mais c'est bien, il faut le dire quand on n'y arrive pas, hein, c'est pas très grave. J'ai bien conscience que là, c'est un peu plus difficile que de le faire vers l'avant. Je vais réduire ça. Hop.
Ok, alors Aujourd'hui, on fera les deux, hein, donc on fera en avançant et en reculant. Donc on va quand même le refaire encore une fois de cette façon. On va le faire avec Ageuke. D'accord? Donc on vient de le faire avec Gedan Bara et on va le faire avec Ageuke. Donc à partir d'ici. Donc toujours c'est devant, derrière. Et après 45. Sauf que le 45, cette fois, je le ferai en reculant. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, kyu, ju. Allez, devant. Enfin, jambe droite, on absorbe. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, kyu, ju. Allez, yes. Ok. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de repartir vers l'avant. On va juste rajouter. On va rajouter après le blocage une contre-attaque, d'accord? Donc pour l'instant, bah, ce qu'on va faire, c'est on va faire lentement la préparation. Tate Shuto et Gyakutsuki. Ok, allez, jambe gauche. Ich, ni, derrière. Donc vers l'avant. San, shi, vers l'avant. Go, lock, sich, hach, kyu, ju, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, kyu, ju. Et on change de côté. Ich, ni, san, shi, go, d'avance, lok, sich, hach, kyu, ju. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, kyu, ju. Et yes. On relâche, on boit un coup. Donc là, ça fait 30 minutes. Ok. Alors, on va essayer de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Parce que pour l'instant, ça reste quand même du travail assez basique. C'est pas des déplacements très compliqués. Alors, on va repartir. Donc, ceux qui arrivent bien, vous pouvez essayer de mettre un petit peu plus de vitesse. Hein. Donc, à partir d'ici, puis en même temps, on va travailler peut-être des blocages qu'on a moins l'habitude de faire. Donc ici, toujours avec blocage et contre-attaque, on va faire Jodan Barai. Donc Gedan Barai, ça tout le monde connaît. Shudan, ça ressemble à un Tetsui. Et Jodan, bah, pareil, hein, du bas vers le haut, avec le bras tendu. Donc c'est pas Ageuke, c'est pas Tateuke, c'est Jodan Barai. Comme Jodan Shuto Barai, avec la main ouverte, sauf qu'on le fait avec le poing fermé. Ok, donc à partir d'ici, jambe gauche. On va faire un seul temps, on va faire blocage et gyakutsuki. Okay? Et puis ensuite, on continue de tourner. On le fait vers l'avant pour l'instant, c'est la façon la plus simple de tourner. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que Dieu. Et de l'autre côté, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que Dieu.
Yes. OK. Ça va? Ouais. Alors, toujours vers l'avant pour l'instant. Donc là, on a fait surtout des blocages. Là, maintenant, on va le faire en travaillant un coup de pied pour changer un petit peu. Donc, on va faire Maegiri, Osé, Gyakutsuki. D'accord? Donc, ensuite, je tourne, jambe arrière, j'avance Maegiri, mais je me pose derrière, Gyakutsuki. Ok? Donc, ensuite, ici, j'avance Maegiri, Osé derrière, Gyakutsuki. Je tourne Maegiri, Osé, etc. On va le faire ensemble. Donc, si vous n'avez pas trop la place, encore une fois, réduisez les positions. Allez, Maegiri et posé derrière. Ichi, Gyaku. Tournez. Ni, Maegiri, posé derrière. Sam, j'avance d'abord et Maegiri posé. Chi, je tourne et Maegiri posé. Lok, j'avance et Maegiri posé. Sitch. Hatch, avance, Maegiri. Que, avance. Ju, j'avance. Et Hitch, encore un. Allez, on fait l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas la place, faites juste le monté de genoux, par exemple, Izaguirre, vous posez. Allez, Hitch. Ni, tour. J'avance et je frappe. Chi, demi-tour et je frappe. Ho, si j'ai pas la place. Lock. Sitch. Hatch. Que, j'avance. Et tu, ici. Et là. Yes, relâchez. Donc voilà, on est en train de monter progressivement en difficulté, hein. Donc là, on a fait Maegiri jambe arrière et Gyakutsuki. Et cette fois-ci, on va faire Maegiri jambe avant et Tsuki du même bras. D'accord? Alors, je vous montre d'abord doucement. Donc ici, de la jambe avant. 1, 2, même bras. Ensuite, je vais tourner. Alors, je vais essayer de faire ma technique directement lors de la rotation, c'est-à-dire ne pas tourner, puis faire mon maguire. Je vais profiter de la rotation ici pour grouper et faire maguire. Alors, je vais vous montrer ici, ce sera mieux. Sur le premier, on n'a pas trop le choix que de prendre appui sur la jambe arrière pour faire notre maguire. Ici, quand je vais tourner, je vais prendre une position intermédiaire ici, Neko Ashidachi, pour frapper. D'accord? Donc, je ne fais pas ça. 1, 2, 3. Trop long. J'utilise ma rotation pour ramener ma jambe et monter ici. Je peux monter ici direct et frapper. Donc, vous avez deux possibilités. Soit de décomposer 1, 2, soit de le faire un peu plus direct. 1 et 2. OK? Donc faites comme vous le souhaitez. Je trouve ça intéressant de le décomposer pour passer dans cette position Neko Ashidachi intermédiaire. Ça, c'est un déplacement d'ailleurs qu'on retrouve dans certains katas, que ce soit avant-arrière ou sur le côté. Hein. Ceux qui connaissent. Wankan, par exemple, on fait ce type de rotation, même après, ici, on fait le demi-tour exactement comme je viens de le montrer, sauf qu'il n'y a pas de maille. Donc, c'est aussi une façon, peut-être, pour ceux qui connaissent le kata Wankan, de travailler ces demi-tours ou ces quarts de tour en passant en Neko Ashidachi. Allez, on y va, tranquille. Donc, ici, jambe avant, et Ichi, Tsuki, même bras. Ni, Tsuki,
Ici, c'est facile, puisque ma jambe avant, je vais aller par là, donc c'est en avançant. Beau. Et demi-tour, position intermédiaire. Ici, en avance, lock. Bam. Ici, switch. Hatch. Queue. Dieu. Hitch. Et on fait l'autre côté. Je le fais vraiment doucement, mais les rotations, c'est les mêmes. Hein. Allez, jambe avant. Hitch. Derrière, knee. Ramène, crap. Ça, ici, c'est direct. Jambe avant, puisque j'avance. She. Go en avançant. Lock. Sitch. Hatch. Que. Et tu. Et allez. Yes. Ok, soufflez un petit peu, buvez un coup. Donc, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je vais afficher un peu les vignettes des gens. Il y a Sergei qui est là aussi. Bonjour Sergei. Hello Sergei. Os. Dans le chat, peut-être nous dire si tu es de France ou d'un autre pays. In the chat, you can write your country, maybe. Ah, alors je suis pas très bon en drapeau, hein, mais je dis, j'arrive pas bien à voir. Can you write your country in the chat? Et bonjour aussi à Fred, dans le Puy-de-Dôme. Ok, récupérer un petit peu, parce qu'on va, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus difficile. Alors, pas au niveau des déplacements, hein, au niveau des déplacements. Ah, Ukraine, Ukrainian. Ok, hello. Super, os. Okay, sorry, I'm not speaking English, but I hope you can follow the class. Okay. Alors, on va passer... donc, je vous ai dit au début qu'on allait travailler les 8 directions, mais aussi qu'on allait travailler des techniques doubles. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Technique double. On va y aller par palier à nouveau. On va y aller tranquillement. On va reprendre Gedan Barai. Donc ici, on avait fait Gedan Barai. Alors, on va faire le Gyakutsuki, sauf que Gedan Barai et Gyakutsuki sans bouger ce bras ici. Gedan Barai et Gedan Barai. Et d'accord, donc je vais bloquer et laisser mon bras ici. Each any. Ok. Alors, peut-être on va le faire debout pour l'instant. Ok, allez. Each knee. On change de bras. San, she, go, lock, sitch, hatch, que, ju. Ok. Même chose, on va faire avec ageuke. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju. Ok. Même chose, on va faire avec shuto et tsuki. Ich,
Ni. San. Shi. Go. Lo. Sich. Hach. Que. Du. Ok. On va faire un dernier, c'est Tsuki et Tsuki. On laisse le bras. Ok. Ich. Ni. Et San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Que. Ju. Et yare. Yes. Ok, donc technique double. La dernière fois, on a travaillé ça sur Kedan Bara Ichiuke, Kosaoke et Yan Sandan. Ich. Ni. Pour l'instant, on les décompose en deux temps. Maintenant, on va faire un petit peu plus vite. Donc, Kedan Barai, ça va être Ichni. Ichni. OK? On les enchaîne un peu vite. Un peu plus rapidement, mais pas en même temps. Pour l'instant, on y va par étapes. Allez, Kedan Barai. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Que. Ju. Et yale. Age uke. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Que. Ju. Et yale. Shutoke, bam bam, en même temps, presque en même temps. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ku, ju, yane. Dernier, tsuki tsuki, donc presque en même temps. Allez, prêt. Et ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ku, ju, ei. Yane. Yes. Ok. On relâche un petit peu. Alors, moi, j'ai fait quelques erreurs, mais c'est. C'est normal, hein. Ça veut dire qu'il y a du travail. Heureusement que j'ai fait des erreurs. Si je faisais pas d'erreurs, je pourrais aller mater un film à la place de m'entraîner. Mais non, il faut s'entraîner. Ok, alors, on va reprendre doucement avec notre enchaînement. Aliol, Kamate, jambe gauche. On va faire Gedan Barai et Tsuki. En deux temps pour l'instant. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Que. Ju. Et encore. Ich de l'autre côté. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Ku. Ju. Et yame. Ok, ça va? Ouais. Celui-là, il n'est pas trop dur. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, de les enchaîner, non pas 1, 2, mais 1, 2. 1, 2. Ok? Allez, c'est parti. Je vais avancer un peu. Allez. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Ku. Ju.
Sitch, Hatch, Ku, Jo, Eya, Yame, yes. Ok, soufflez, on boit un coup. Niveau timing, c'est bon. Ok, allez, on reprend. Alors, on a fait Gedenbaï, mais on va faire la même chose avec Agenke. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire tout de suite 1-2. Ok, tout de suite 1-2. Donc ici, ici, bam. Pas en même temps, mais 1-2. Ok? Allez, ich, ni, san. Chi, go, block, sitch, hatch, que, du, h, ni, san, chi, go, block, sitch, hatch, que, du, et yes. Ok. Shuto. Kamae. Alors, essaie de 1, 2, c'est trop lent. Essaie de le faire presque en même temps, mais en fait, on bloque puis on frappe. On bloque puis on frappe juste après. Alors, Shuto, vous pouvez mettre en Fudodachi, Kokutsudachi. Zenkutsudachi, peu importe. Allez. Ichi, ni, san, shi, go, lok, shich, hach, ku, ju, ichi, ni, san, shi, go, lok, Sitch, hatch, que, jou, ya. Bien. Ok. Dernier. Suki et le gyaku juste après. Ok. Donc, sur celui-là, on pourra même le faire en même temps. Donc, parce que l'idée, c'est de raccourcir le temps entre les deux techniques. Ichni, ichni, ich. Ok? Donc c'est plus difficile de faire les deux en même temps, c'est pour ça que je vous l'ai fait enchaîner très rapidement, c'est plus facile que de faire les deux en même temps. Mais sur le Suki, il n'y a pas trop de difficultés, donc on va faire les deux en même temps. Allez. Ich, ni, san, shi. On va amener le point ici. Go, lok, sich, hach. Que, du, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, du, yes, relâche. Ok. Ça va, tout le monde va bien. Donc il nous reste encore 10 minutes. Bon, peut-être on débordera légèrement. On va faire un petit peu de technique comme ça, double, enchaîné très rapidement, mais pas en zenkutsu, cette fois-ci en position haute. Donc on a fait, par exemple, 1 et 2. Bon, on va faire 1, 2 ici. En même temps. Bam. OK? Allez, c'est parti en position haute, donc ici, bam, 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 en avançant. Allez, c'est parti. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, ju. Allez,
mettre devant. Ich, ni, san, chi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Et on relâche. Alors, on va faire la même chose sur un autre blocage qu'on n'a pas travaillé. On va le faire main ouverte. On va faire Teisho et Gyakutsuki. Et donc, ça va donner Teisho et Gyakutsuki en même temps. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, bloquer et frapper en même temps. Mais on va travailler pour l'instant sur d'autres blocages. Donc ici, rentrer, donc en avançant. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Position haute. Encore. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Et ya. Yes. Ok. Allez, on s'en fait un autre. On ne pourra pas tous les faire par manque de temps, mais là, on comprend l'intérêt de ces doubles techniques et de les faire de manière très rapprochée sur du vrai combat. En général, on n'a pas le temps de faire un, je bloque et deux, j'attaque. Ça va être bloqué et frappé tout de suite en même temps, soit simultanément, soit vraiment très très rapproché. Donc c'est cette idée qu'on essaie de travailler aujourd'hui, et en même temps en se déplaçant dans différents axes. Ok. Alors, on va changer un petit peu les attaques. Au lieu de faire Gyakutsuki, on va faire Jodan Mawashitsuki. On va pas faire Mawashitsuki comme ça, on va faire bam, ici un gros coup de poing. On va laisser le bras continuer sa trajectoire. D'accord ? Et ce bras-là, il va bloquer. Bloc et frappe. Donc on imagine ici, bam, bloc et frappe. Et bam, juste enchaîner. Bloc, frappe. Vous vous rappelez l'échauffement, on a fait ça. 1, 2. 1, 2. C'est pareil. 1, 2. Ici. 1, 2. OK ? Et en tournant. 1, 2. Et ici, bloc, frappe. OK ? Allez, on y va doucement. Allez. Donc, blocage comme si vous faisiez un tateuke ou un Jodan Barai. Et ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Là, je le fais complètement relâché. Encore ich, ni, san, shi, go, bloc, frappe, lok, sich, hach, que, dieu. Ok, on va le refaire un petit peu plus vite. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Encore. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, dieu. Yane, yes. Ok, on relâche. On va s'en faire encore peut-être un ou deux autres. Toujours en position haute. Alors, on va faire Ikiwakeuke. Ici, on va faire Jodan en position haute. Jodan saisi et bam, Izagiri. Donc ici, ce sera 1, 2. Tourne. 1, 2. Avance. 1, 2. Alors, là, je l'ai fait en avançant. Peut-être après, on va essayer de le faire en reculant. Allez, c'est parti. Et ich, ni. Posez derrière. San, shi.
Go, block. Sitch, hatch. Q, ju. H, ni. San, shi. Go, block. Sitch, hatch. Q, ju. L'autre côté. H, ni. San, shi. Avance. Go, block. Sitch, hatch. Q, ju. H, ni. Derrière. San, shi. Go, block. Sitch, hatch. Q, ju. Ayame. Alors, tout à l'heure, on a fait le déplacement en avançant, mais aussi en reculant. Donc, si je le faisais en reculant, l'idée, c'est que j'absorbe, je saisis et je frappe. Donc ici, je vais reculer. Reculer, frapper. Ici, je vais reculer et frapper. Reculer et frapper. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec Eden Baray. Donc, on fait le déplacement en reculant au lieu d'avançant. Et on garde les mêmes axes. Hein. Se cale un petit peu. Ok. Allez, on y va. On le fait doucement, celui-là. Allez. En absorbant. Ich, ni. San, shi. Go, lo. Sich, hach. Q, ju. Ich, ni. San, shi. Go, lo. Fitch, hatch, Q, ju. Et de l'autre côté, je compte un seul temps. Itch, ni, san, shi, go, lock, fitch, hatch, Q, os, ok. On a le temps d'en faire un dernier. Allez, un petit dernier. Voilà, on va changer un petit peu. Jambes avant. Gidan Mawashigiri. Donc, soit avec le pied ici, ou avec le pied à plat. On vise le genou, on vise la cuisse. Ok? Donc ici, ça va être 1 et 2. Teisho. Jodan. OK? Donc rappelez-vous, je suis jambe avant. Quand je vais pivoter, ici, frappe. Ici, c'est en avançant. Avance. Avec le bras. OK? Donc on va retrouver notre pivot pour prendre appui sur cette jambe. Vous pouvez pivoter et frapper tout de suite. Allez, jambe gauche devant. Donc, jambe avant, marwashi, bras arrière. Teisho. Ich. Ni. On avance. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Q. Ju. Et encore, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, q, ju, eya. Bien, yes. Ok. On boit un coup et on termine par un kata. Je vous rassure, c'est un kata que vous connaissez déjà. On va déborder de 5 minutes, mais c'est pas grave. Alors, Eyan Shodan. On a fait Gedan Barai. Kedan Barai et Gyaku en même temps. Ageuke et Gyaku en même temps.
Shuto Gyaku en même temps. Tsuki et Tsuki. On a juste un mouvement qu'on n'a pas fait, c'est Tetsui et le Tsuki. C'est pas grave, on va le faire pendant qu'on fait notre kata. Alors on va le faire doucement, on peut même le faire en position haute, puisque c'est un kata Oyo. Donc le plus simple pour l'instant, c'est de faire les deux techniques les unes après les autres assez rapidement. Allez, yoy. Donc ici, ich, ni, celui-là on peut le faire en même temps. On tourne, san, shi, go. Et allez, ça va? Ok, on va vérifier, être sûr que c'est bon pour tout le monde. Il y a quand même des débutants aussi. Donc, au lieu de faire Eyan Shodan, je vais faire debout. On fait Eyan Shodan, on rajoute un Gyakutsuki sur chaque technique. Ici, ici, bam, 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 ici, bam, bam, etc. Ok? Allez, on y va. Yoi, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ku. Ok, on va tourner. Ich, ni, san, shi, go, lok, double tsuki. Sich, hach, ku, shuto tsuki. Ni, san, shi. Et on va le refaire. Aïe, aïe. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ku. Aïe. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach. Ich, ni, san, shi. Alors ceux qui ont de la place, vous pouvez essayer de le faire en zenkutsu ici, ici. Vous pouvez le faire en zenkutsu. Hein. Ceux qui n'ont pas de place, bah, vous le faites un petit peu plus debout, mais ça permet de faire le lien entre le travail de base traditionnel et le kata en position haute, donc plus en application à de la self, hein, donc bloquer et frapper en même temps. C'est un niveau supérieur que de bloquer et de frapper. Donc on apprend la base, c'est normal, mais ensuite, pour aller vers quelque chose de plus réaliste, on ne va jamais faire 1 et 2. On va faire 1, 2, ça va être très enchaîné de toute façon. Donc c'est presque en même temps. D'où le fait de travailler des techniques comme ça. Puis des techniques doubles, finalement, on les trouve dans d'autres katas. Hein. Les techniques doubles, on les trouve dans d'autres katas, même dans les Eyan. Et donc elles sont faites simultanément. Donc après, le niveau suivant, c'est de faire vraiment en même temps. Voilà. Ici, en même temps. Là, ici, en même temps. Ici, en même temps, etc. Le Hageuke, attention, il ne faut pas qu'il parte d'ici. Hein. C'est pas ça. Il part d'ici. Il part d'ici, en même temps. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que beaucoup de techniques qu'on a travaillées aujourd'hui, par exemple, le Gedanbara et le Tsuki, on le trouve dans des katas, dans le kata Junro, par exemple Junro Nidan, au lieu de faire le Gedanbara ici, on le fait ici. Donc dans le kata Junro, on a ça. On a aussi ça. Donc on trouve des techniques doubles comme ça dans les kata Junro qu'on a déjà travaillé. Donc ce sont les kata créés par Tetsuhiko Asai,
Et dans Junro Nidan, justement, on travaille beaucoup de techniques doubles. Donc c'est un peu le thème principal du kata. Et les techniques doubles, c'est aussi blocage et frappe en même temps. Dans Junro Shodan, on a ça aussi. Donc le Jodan Barai, le Gyakutsuki. Voilà, donc on a très souvent des techniques comme ça, doubles, aussi des attaques dans ces katas. On va le refaire encore une fois, il y a une Shodan. Ceux qui n'ont pas la place, vous pouvez aussi le faire debout. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Vous pouvez aussi le faire tout de face. Donc c'est ce que je vais essayer de faire tout le kata de face. Ici, là, ici. Après, il ne faut pas se tromper, hein, c'est plus dur. Et je vais essayer quand même. Je lance un défi. Allez, c'est parti. Allez. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, ei. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ria. Ich, ni, san, shi, eyame. Yes, os. Ok. Bon, bah finalement, j'ai réussi à le faire de cette façon, même si je ne l'avais jamais travaillé comme ça. Mais c'est pas grave. Tout le travail qu'on a fait auparavant sur le cours a permis de mettre en place justement. Ce type de technique double, et donc finalement c'est pas très difficile de faire Ien Shodan de cette façon. Voilà, donc on a travaillé aujourd'hui pas mal de désaxes dans 8 directions, des enchaînements, blocage, attaque, puis après on les a mis de façon simultanée. Donc ça, c'était déjà un niveau de difficulté supérieur, presque simultané, en enchaînement très rapidement. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait une technique, de ne pas ramener le bras et quitter, pas 1 et 2, mais de garder la technique 1, 2, et garder le bras là où il est. Donc pour aller vers quelque chose qui s'apparente plus à la self-défense, où on ramène très rarement le bras et quitter, voire jamais. En tout cas, si on ramène le bras, c'est pour tirer quelque chose vers nous, et pas juste pour donner de la puissance à nos techniques. Donc, et d'avoir un bras ici, ça permet d'avoir une garde et de rester protégé. Donc ça, c'est encore un niveau supérieur. Et après, petit exercice sur Ien Shodan, on a pu mettre en pratique les techniques doubles qu'on avait travaillées, avec les changements d'axe aussi, bien sûr. Voilà, donc je remercie tout le monde d'avoir été présent. Donc on était plus d'une trentaine et puis plus d'une vingtaine aussi sur Facebook. Donc, merci tout le monde. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Et vous pouvez remettre vos micros. Alors, là, vous allez devoir pouvoir les remettre. Voilà, donc, merci. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que c'était pas trop difficile. Merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir de faire un entraînement comme ça aussi avec d'autres pratiquants de karaté de France, d'Europe ou peut-être même d'autres continents. Je ne sais pas qui était présent aujourd'hui. Je vous remercie encore. Et pour les gens du club, on se donne rendez-vous dans 10 minutes sur. Je vais vous envoyer le lien pour faire un petit apéro entre nous. Voilà, donc c'était prévu. Merci à tous ceux qui sont venus s'entraîner ce matin avec nous. Et on essaiera de refaire ça, bien sûr, à l'occasion. À Encore merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.